Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Flickodesk Armada 2, oui c'est ça, tout à fait, je me suis pas planté. Genre mon malin parlait vite et voilà, ça foire quoi. On est toujours en multi avec Katox, salut Katox. Salut. Et on se retrouve... Bah ouais, toi t'es belge, tu parles à ton rythme. Une fois. On s'était quitté sur un petit cliffhanger, je crois, de l'assaut sur... Enfin, de la mission spéciale sur Exeltra Minor. Oui. Et on était sur le point aussi d'envahir du côté d'Ovaris Goulag, et on avait question sur envahir du côté de Cantrael, mais du côté de Cantrael on a que deux flottes contre trois. Du coup je me demandais si j'allais pas en recruter une nouvelle, vu qu'on peut en recruter une nouvelle maintenant. Oui, fais-toi plaisir, c'est pas avec la réserve de... Voilà, avec le blé qu'on a... Voilà, ça, je pense qu'on a de quoi faire. Alors, plutôt carapace à pointe ou plutôt champ de sport? Peu me chaud. Champ de sport, ça fait longtemps qu'on en a pas pris. Allez hop. Viens là mec. Alors du coup on va tout de suite lui prendre un petit cuirassé des familles. Est-ce qu'on en a un? Alors lui c'est vraiment frontal, ça me plaît pas trop. Allez on va prendre un gros crasher. Donc là on a claqué tous les points de ce chantier naval là. Et on peut en prendre un deuxième cuirassé. Ou alors quelques dévoreurs, on va prendre quelques dévoreurs. Une flotte uniquement de dévoreurs. Ah, je peux faire ça aussi. Hein. Non, c'est jouissif, mais pas stratégiquement bon. Ça risque d'être un peu le bordel, ouais. Bon, cela dit, il y a le vaisseau amiral là, qui est un tireur. On a. Ouais, d'ailleurs, on a le cuirassé qui est un tireur aussi. Je vais quand même prendre un truc un peu plus versatile. Voilà. Non, pas prendre celui-là, on va prendre celui-là. Il reste 102. 102, on peut prendre des escorteurs à 102, c'est un peu pourri. De toute façon, les chantiers navaux sont vides. Hop là. Alors, on va promouvoir celui-là, amiral, tout de suite. Voilà. Et comme ça, on a totalement de quoi sauter sur la tronche de tout le monde. Alors je propose de commencer par la mission spéciale, je sais pas ce que t'en penses. Parce qu'après tout, on avait dit qu'on la ferait. Ça fait un bon échauffement. Voir un peu à quoi ça ressemble. Alors, ah puis on affronte Spire, carrément, direct quoi, bam. Ok. Direct. ça va piquer dernier, l'échauffement. Alors, il a donné l'ordre au seigneur Grand Amiral Spire de défendre le système avec l'aide de la forteresse et la station spatiale Divine Anvil. Ok, ça peut être violent. On va se marrer. On va virer lui et peut-être un dévoreur pour prendre un cuirassé en plus, je pense. Ouais, je pense. Bonne idée. Très bonne idée. Allez, c'est parti. Bataille. Bon, on va avoir une petite ciné, je pense. C'est possible, le temps de chargement. Ouais, un petit peu long. Bon, faut que le jeu chauffe aussi. Hein. Ah, j'aime bien quand on les voit bien en lumière. Là. Quand on les voit dans le noir, ouais. C'est chiant. Voilà. Ah bah, ok, on n'a pas de petite ciné de début. C'est direct à la fraîche. Déception sur 20. Non, bah je pense qu'on va en avoir une quand on va démarrer parce que pour l'instant il n'y a pas grand chose. Est-ce qu'on voit la forteresse? Elle est ici. Ah, ouais, je la vois. Ah, c'est une forteresse lambda. Attends, je m'attendais à un truc un peu plus impressionnant, j'avoue. Ouais, je m'attendais à voir défoncer la citadelle des Imperial Fist. Après, on sait pas. On sait pas ce qu'il va y avoir autour. Hein. J'ai eu quelques surprises. Après l'amiral Spire, son vaisseau c'est de la merde en plus, hein, enfin honnêtement. Bah on a déjà combattu beaucoup des comme ça. Hein. Ouais bah c'est même pas un cuirassé, c'est un truc tout bidon. Hein. Je vais te filer le grillon et je vais prendre l'éventreur. Alors, bah pour l'instant on y va frontal, puis on avise. Oui. Soyons subtils.
ready. The fleet is at your command, Admiral. Ah, il y a du monde, d'un coup. Divine Anvil, report. As ready as we'll ever be. The fortress is prepared. Its batteries are at your service. At the Emperor's. We are but the vessels of his will. Oh, c'est beau. Keep close watch on your all-specs arrays. I want to know the moment we have contact. Ah, donc l'objectif c'est d'aborder la station spatiale. Pas de retraite. Parfait. Nickel, ça me va. Mais il reste derrière avec son petit vaisseau. Il n'y aura pas de retraite. Par contre, allez-y sans moi. C'est ça. Préparez-vous à combattre. Mais je reste derrière pour superviser les opérations. Et tu sais, t'entends un bruit de faussement couper le micro et fait Boy, faites-moi une caipirinha s'il vous plaît. Ah merde, le micro est encore allumé. Bon, on a quoi en face? Ça c'est un escorteur, ça c'est un escorteur, ça c'est pas un escorteur, ça non plus. Ah, pas tant d'escorteurs que ça on dirait. Deux escorteurs je compte, bon, on les voit peut-être pas tous. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi je vais me planquer ici. Dans les nébuleuses là? Ouais. Ouais, t'as pas tort. Je vais attendre parce qu'ils vont arriver, sinon on va se taper et la forteresse et les petites... Ah ouais, t'as raison. Bon, l'objectif c'est de défoncer la forteresse. Mais une fois qu'il y aura plus de vaisseaux, ça sera certainement plus simple, hein, on est d'accord. J'ai même pas regardé, j'avais quoi comme compétence? Ah putain, j'ai un champ de sport. Oh bah dis donc. On va aller sur la forteresse, s'emmerder. Ça fait pas de dégâts sur la forteresse. Ah bon? T'es sûr? Non. Ah oui, ouais. On avait testé une fois, bah tant pis, c'est pas grave. Et l'autre c'est quoi? Crip psychique, très bien. Oui, c'est vrai, je me souviens qu'on a testé. Ils ont quand même plutôt l'air de t'avoir repéré, toi. Hein. C'est possible. Pourtant, je suis même pas encore planqué dans la nébuleuse. C'est vrai qu'ils avancent tout doucement vers ma nébuleuse. Bon, je vais commencer à les prendre en tenaille doucement, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des tentacules, des torpilles et de la flotte. Pas mal ça. J'ai une boulette d'émotion. Ah. Ah oui, la sport à repérer. Putain, cette portée des. Fais gaffe, putain, t'as une bombe sur ta tronche là. Les douilles m'ont identifié. Les... Sagouin. Fiche 3 personnes. On va s'occuper de l'aile arrière là. Un petit peu de bol, hop. Ah, oh, ces torpilles, on les défonce quoi. C'est scandaleux. Putain, un gars il a pris tellement cher. À portée de la forteresse. Putain, mais comment ils prennent? Comment ils baissent les trucs? Excessivement cher. C'est de qui ça, toi? Toi t'as pris cher? Ouais, ouais, je crois qu'il va mourir là. Putain, mais il y en a deux! Putain, mais wow! Les gars, il s'est passé quoi là? C'est mes deux dévoreurs. J'en ai un qui va mourir à cause des incendies. Et l'autre que j'ai replié parce qu'il a plus de. Il a plus d'armes du tout. Voilà, ok, c'est deux. Super. Putain, bonjour. Mutinerie, ça crève de partout. Ah, il veut tuer mon cerveau. C'est tellement pas gentil ça. Bon, l'autre je suis en train de le charger là, c'est peut-être
pas idéal. Ouais, deux assauts, c'est bon, ils vont crever. Un tour. Détruit mon cerveau. Ah putain, ils vont sauter les cons. Fumier. Ah du coup je vais me foutre à portée de la forteresse, ça c'est le drame. Il est tout neuf là le vaisseau amiral là. Ouais, parce qu'il est arrivé après. Il sera bientôt plus tout neuf. Tu m'étonnes. Ah, on a un vaisseau qui est arrivé en renfort. Qu'est-ce que c'est? C'est le Spyeuvre. Viens, petit Spyeuvre. Trace ta route. Active ta poussée. Tu peux rentrer ou pas dans la zone, s'il te plaît? Merci. Allez hop, on se bouge le popotin. Comme dirait l'autre. Ils m'ont vraiment mais ouvert en deux quoi. Je sais pas ce qu'ils avaient bouffé mais ça piquait. Ouais j'avoue là. Encore deux autres ils se ramènent. Ah il y a des petits escorteurs planqués. Attention tu vas prendre une bombe sur la gueule. J'ai vu esquive. Parce qu'il y a un petit escorteur qui fait de l'éclaireur là. Oh putain, il y a une charge qui arrive là. Oh. Putain, ils sont déchaînés là. Un peu, ouais. Est-ce que tous tes tirs là sont stoppés par la structure? Putain de fumier. Toi, tu te pointes toujours là? Au filtre, cassos, tout juste. Assaut. Toi, faut que tu te replies, toi. Tu souffres trop, mec. Ah putain, il y a une autre flotte qui arrive. Ah ouais, ok, donc en fait, il faut vraiment. J'ai l'impression qu'ils vont nous envoyer des trucs en boucle tant qu'on n'aura pas dépioté la forteresse quoi. Ouais, je suis en train d'essayer de le faire, mais. Ça prend du temps. La bombe, c'est moi. Bon, on va passer par le milieu, hein, tant pis, on va les ouvrir. Pas content, c'est pareil. Toi, avant de te replier, envoie-nous une petite flotte d'assaut là, s'il te plaît. Bien ça. Oh putain, comment je suis complètement pris dans les. C'est bon, je me replie de là. Oh là là, je me fais dépouiller, merde.
Mais je suis du lag, mais je sais pas d'où ça vient. Parce que là pour l'instant, les poches de frais elles sont toujours sont bloquées à 5 secondes. Depuis... Allez, Spyeuvre il est là, merde putain, il est en plein milieu du champ de bataille, j'avais pas vu. Oh là là, la mêlée de fou là. C'est horrible. Ah ouais bah tu m'étonnes, c'est le gros bordel là. Bah là, là mon vaisseau, je viens de le voir passer de 1200 à 400 quoi. Oh là là, le Spyeuvre a décédé. Putain, il pique hein. Et quoi, on a plus d'autres vaisseaux? Bah théoriquement on devrait, mais je sais pas, on a peut-être une limite de renfort. Hein. Oh la violence! La violence de ces gens! Ouais. Sérieux, il a réussi à disparaître au milieu de notre champ de sport, quoi. Putain, j'ai plus que 25 troupes, hein, ça devient Tandax. Hein. Ah, ça y est, on a des renforts. Putain, par contre, faut qu'il traverse la map. Hein. Attention, là, elle est pour toi, celle-là. Oh, ils ont encore des vaisseaux qui arrivent en renfort, là. Faut qu'on se replie avec eux. Hein. J'ai du lag, je sais rien faire. C'est vraiment chiant parce que je suis coincé. Parce que je fais une action toutes les 10 secondes. Ah merde. Ah ouais, c'est pour cool, ça que mon vaisseau a pris super cher, c'est parce qu'il a fait un frontal avec la forteresse pendant bien 30 secondes. Il me reste 3 vaisseaux pour mettre en déroute tout ce qui reste. Et aucun amiral là. Ça peut être tendu. Je vais regarder si j'ai pas des téléchargements en cours ou pas. Ah heureusement j'ai mis tellement de... Oh putain, on va gagner là-dessus quoi. De quoi? Parce que je vais caler genre 10 ou 15 assauts sur la tronche. Du coup à l'autre bout de la map il vient de dire « Ah là, désengagé, c'est la merde. » Ah non, son là, désengagement mais... s'est annulé, du coup il s'enfuit pas. Ah non. On allait gagner quoi! Ah putain, on est fumiers! Sans déconner! Alors eux, ils sont en train de faire je sais pas quoi à l'autre bout de la map, ça c'est quoi ça? Ça c'est un gros. Ouais. Il y en a quelques-uns qui bug à mon avis. Ouais, j'ai l'impression que les lags sont pas que de ton côté. Hein. Honnêtement. Bon, par contre, c'est un sacré revers, hein. Même si on la gagne. Il reste quoi? Deux grands croiseurs, un croiseur de combat, plus le cuirassé derrière. Bon, il a plus que 9 troupes le cuirassé. On a peut-être moyen de le faire céder assez facilement. Bah, si on les. Si on arrive à arriver jusqu'à lui, quoi. On va se concentrer sur le premier, Chosen of Endurance. Ouais, essayer de le faire partir en déroute rapidement. Je vais aller le croquer, je pense. Je vais envoyer un petit tentacule de nutrition juste pour le ralentir. Merde, putain. Faut attendre que ça explose. Aïe aïe aïe. J'ai oublié de charger du coup. J'ai un paquet d'assauts sur la tronche. Allez. Mais...
Allez, il a refait une savonnette quoi, c'est pas possible. Allez, on va essayer d'envoyer une flotte, ça va loin. Tu essaies de bypass les quelques autres qui traînent là. Ouais, il y en a un autre derrière qui est en train de nous allumer, mais. T'as 11 assauts sur la tronche, y'a quelque chose qui me tire dessus par derrière, vous êtes sérieux? Ok, y'a son pote qui lui a balancé des torpilles dessus. Très bien. Bah écoutez, faites donc ça, ça me convient complètement. Ça se fait, ça rentre pote. Merde, j'suis trop près, putain. Sérieux. J'suis trop près pour un tentacule de nutrition quoi. Allez, des assauts, balancez tout ce que vous avez dans la tronche. À 4 assauts, il y a moyen que ça suffise. Ah merde, il est parti en instinct sauvage le vaisseau là. Ok, c'est une épave à la dérive, mais on a quand même pas gagné. Bah, c'est, faut mettre en déroute la flotte entière. Ouais, ça va être temps d'axe du coup. Je crois qu'il va falloir faire un petit reload parce que. Bah en fait ouais du coup oh putain la vache, son vaisseau amiral qui vient d'exploser il a défoncé le mien quoi. Ok bon bah c'est mort. Bah, j'ai plus aucune chance de survivre. Boum. Déjà je comprends pas pourquoi nos renforts on les a eu seulement maintenant. Ah ouais à mon avis les lags là ils sont pas. Ils sont pas que de ton côté, je pense que c'est même moi hein, parce que ma connexion est en PLS depuis quelques jours. Là j'ai coupé tout ce qui pouvait tirer dessus mais... J'ai l'impression que c'est un peu la merde. Yep. Bon, j'arrive avec le tentacula en renfort. Ça, on a seulement le renfort maintenant quoi. Ah putain. Alors que pendant... Ah, ouais. C'est la première fois qu'on va perdre des vaisseaux parce qu'ils sont partis en instant sauvage. Ouais. En même temps, on a perdu tous les amiraux et tout. Oui, mais quelle idée aussi de faire directement revenir les amiraux. Ouais, non, je suis d'accord. Ouais, bon, je pense qu'on peut. On peut admettre la défaite, non? On peut pas admettre la défaite. Je peux que retourner au menu. Bah sinon, celui qui vient d'arriver, tu le replies et basta. Ouais, t'as pas tort. Au moins, il prendra pas plus cher que ça. Ah, mais y'en a un nouveau qui arrive, putain. Bah, on va les replier. Tu vois, c'est ça qui est perturbant, c'est que. Ah ouais, ils arrivent. Ils arrivent au compte-goutte alors que chez eux, ils arrivent ouais. Par paquet de 12. C'est clair. Tiens, tu m'envoies des vaisseaux, moi aussi. Baston. Je pense qu'ils vont se désengager en même temps. Ah non, ils ont disparu les siens. Ouais, ils ont peut-être rappelé. Ouais, en plus, il était parti pour se désengager, Spire, et finalement, on l'a buté, quoi. Ouais. C'est un peu con. Ah, échec de la campagne, d'accord, ok. Bon, pas comme ça au moins. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai quand ouais, on une mission spéciale, t'es obligé de la réussir. Ok, ok. Et ben du coup, charger une sauvegarde. Hein. Sauvegarde auto avant une bataille. Ben, parfait, prenons ça. Bon, 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 bah voilà, le cliffhanger est réussi, hein, y a pas à dire. C'était un beau cliffhanger. Ah, ça valait le coup. Tu reprends dans une réalité alternative. Les tyrannides ont été vaincus. Mais ça, c'était dans la réalité alternative. Bon, bah du coup, de toute façon, on va arrêter ce record-là parce qu'on n'a pas le temps de la refaire. J'espère que cet épisode alternatif vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et bah du coup on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut.